Matthieu chapitre 8 verset 1. When Jesus was come down from the mountain, a great multitude followed him. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if you will, thou can make me clean. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, peux-tu me rendre pur? And Jesus put forth his hand and he touched him, saying, I will. Be thou clean, and immediately his leprosy was cleansed. Jésus tendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. And Jesus said unto him, See that you tell no man, but go your way, show yourself to the priests, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Puis Jésus lui dit, Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. The gift that Jesus was talking about was according to the Old Testament law. Donc l'offrande ou le don dont Jésus parle était en accord avec la loi de l'Ancien Testament. When, in the Old Testament, when you were cleansed of leprosy, you had to bring a couple of animals to the priest as a sacrifice. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous étiez guéri de la lèpre, il vous fallait amener quelques animaux en sacrifice auprès des sacrificateurs. The priests were actually also doctors. Les sacrificateurs étaient également des médecins. They would check if you were cleansed of leprosy. Ils vérifiaient si vous étiez vraiment guéri de la lèpre. And the Bible gives indications how they could see if somebody had leprosy or not. Et la Bible nous montre qu'ils pouvaient voir certaines indications qui montraient la vraie guérison de la lèpre. In Leviticus it says, for example, if the white spots are superficial and don't go beneath the surface of the skin, clean. Par exemple, si les taches blanches qui restaient étaient superficielles et n'allaient pas profondément dans la peau, ça voulait dire qu'ils étaient guéris. If it was not the case, unclean. Si ce n'était pas le cas, ils étaient toujours impurs. So Jesus says, go to the priest, they'll check if you're clean, and you will are declared officially clean. Et Jésus lui dit, va voir les sacrificateurs et va voir si t'es vraiment guéri. Then verse 5, it says, when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurion l'aborda. And he said, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jesus says unto him, I will come and I will heal him. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. I want to skip to verse 13. Et j'aimerais qu'on saute jusqu'au verset 13. It says, and Jesus says to the centurion, Go thy way, and as you has believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self same hour. Puis Jésus dit au centurion, Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Today I have a message that the Lord put on my heart. Aujourd'hui, j'ai un message que le Seigneur m'a mis sur le cœur. It's connected with heart issues. Qui est connecté avec les problèmes de cœur. But a different angle. Mais d'un angle différent. Amen. If we can put the slide on the screen. Si on peut mettre le slide à l'écran. A couple of moments, I want to inspire something in you this morning. Pour quelques instants, je veux inspirer certaines personnes. I want to talk about basic faith. Je veux parler de basic foi. Amen. Allez. I want to talk about faith that works. Je veux parler d'une foi qui fonctionne. Qui va à Basic Fit ici? Lift your hand. Lève ta main. I never want to see you in my gym. Je ne veux jamais me voir à ma salle. I work out in Overest. Parce que moi je travaille à la salle à Overest. Don't you dare go there? N'osez jamais vous y montrer. I go there alone. Parce que j'y vais seul. I want to take you to Basic Fit this morning. Mais moi, je veux vous emmener à Basic Foi ce matin. Amen.
and teach you something about faith. Vous apprendre quelque chose au sujet de la foi. Is that all right? Ça vous va? Amen. And with the help of the Lord, God is going to demonstrate His power to us. Et avec l'aide du Seigneur, il nous démontrera sa puissance. Amen. Let's pray together. I'm asking you to stand if you can, please. We're going to pray together. Si vous êtes physiquement capable, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Nous allons prier ensemble. We're going to pray together in Jesus' name. Prions ensemble en Jésus. Lord Jesus, we love you and we thank you, God. We pray that you would speak to us in the name of Jesus Christ. God, develop strength in our faith, God. In Jesus' name, Lord. Help us to see the uttermost simplicity of faith, Lord Jesus. Hallelujah. Let us operate in great faith, Lord. We'll see great things happen. Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Before you see it, tell two people, high five them. Avant de vous asseoir, faites un check à quelqu'un. And say, it's time to work out your faith. Et dis, il est temps de travailler ta foi. Time to work out your faith. Il est temps d'exercer ta foi. Amen. We do abs, we do bicep curls, we do legs. On fait des abdos, on travaille les biceps, on fait les jambes. It's time that now we work out faith. Mais il est temps d'exercer notre foi maintenant. Amen. Faith is something that can extend and grow and get stronger. Parce que la foi également est un muscle qui peut grandir et s'étendre. Today I want to challenge your faith. Et donc aujourd'hui je vais mettre votre foi au défi. And put it to work. Et la mettre au travail. Until your faith works for you. Jusqu'à ce que votre foi fonctionne pour vous. Amen. Praise God. Basic faith. Basique foi. In the world of fitness. Dans le monde du fitness. There is a growing trend. Il y a une tendance qui grandit. That is called functional fitness. Qui s'appelle le fitness fonctionnel. Functional fitness is focused on training your muscles. Qui se focalise sur l'exercice de vos muscles. So that they work together and to prepare them for daily tasks. Afin qu'ils puissent travailler ensemble et les préparer à des tâches quotidiennes. It simulates common movements you might do at home sport or at the job. Et ça stimule des mouvements que vous pouvez faire à la maison ou au travail. Picking things up. De ramasser des choses. Pulling things. Tirer d'autres choses. Pushing yourself up. Sitting down. Vous lever, vous asseoir, etc. The major focus with functional fitness. Et le point de focalisation principal pour le travail fonctionnel. Is working on your core stability. C'est travailler sur votre stabilité. Everybody knows what core stability is. Vous savez ce que c'est la stabilité du tronc. If you work your core. Si vous travaillez votre tronc. Your body is stable and strong. Tout votre corps sera stable et fort. This is in contrast with regular traditional fitness. Et ça va en contraste avec le fitness traditionnel. Traditional fitness uses weights. Le fitness traditionnel fonctionne avec des poids. And usually focuses on one muscle group at a time. Et se focalise sur un groupe musculaire à la fois. Your biceps. Votre biceps. Your chest. Votre poitrine. Shoulders, legs. Vos épaules, vos jambes. And so it tries to grow one muscle group at a time. En essayant de faire grandir un groupe musculaire à la fois. We all see them in basic fit. On les voit tous à Basic Fit. Guys with a chest like that. Des gars avec un torse énorme. And chicken legs. Et des jambes de poulet. They don't like to work out the legs. Parce qu'ils n'aiment pas travailler les jambes. Guys that are being in front of the mirror for 2 hours lifting that 30 kilo dumbbell. Des gars qui soulèvent cet haltère de 30 kilos depuis 2 heures. Every day they're training their chest. Tous les jours ils travaillent le torse. And what they're doing is they're sitting stationary at a machine pushing something. Donc tout ce qu'ils font c'est s'asseoir et pousser une machine. The great challenge with all of this is finding balance. Mais le grand défi là-dedans c'est trouver un équilibre. Because the temptation for many going to the gym is to overemphasize one area that you think needs help. Parce que la tentation pour quelqu'un qui va à la salle de sport c'est de mettre l'emphase de manière exagérée sur une zone que vous voulez travailler. We all know ladies like to work out certain areas. On sait que pour les femmes elles aiment travailler certaines zones de leur corps. And by thinking if you do 1,000 crunches a day, en pensant que si elles font 1000 répétitions par jour, you get a flat stomach. 1000 abdos par jour, elles vont avoir un ventre plat. But let me give you a fitness tip. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Muscles are built in the gym. Les muscles sont construits à la gym. But they are revealed in the kitchen. Mais les muscles sont révélés dans la cuisine. It goes together. Ça va ensemble. You cannot just do weights all the time and eat like you want. On peut pas juste soulever des poids comme des fous et puis manger comme on veut. They go together.
Ça va de pair. It is a matter of keeping the right balance on what you're doing. C'est une question de garder un bon équilibre sur tout ce que vous faites. Functional fitness. Le fitness fonctionnel. Or CrossFit. Ou le CrossFit. Tries to keep your entire body engaged during your training. Essaye de garder tout votre corps entier pendant l'entraînement. Now, whether you believe it or not. Que vous le croyez ou non. You're not here in a fitness session. Vous n'êtes pas ici à une conférence de fitness. In the world of the spirit, mais dans le monde spirituel, the same principle applies. Les mêmes principes s'appliquent. Did you know that? Est-ce que vous le saviez? There is faith, il y a la foi. But then there is functional faith, mais ici, il y a la foi fonctionnelle. Or faith that actually works, ou la foi qui est mise en œuvre. And I call it basic faith. Et moi, j'appelle ça basique foi. You see, when you come to Christ, quand vous venez à Christ, or you profess yourself to be a Christian, ou vous appelez chrétien, you have a choice to make. Vous avez un choix à faire. Two choices. En fait, deux choix. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Two choices. Tu as deux choix. Tu as deux choix. Number one. Choix numéro un. You can decide to be a Christian by denomination. Tu peux choisir d'être un chrétien par dénomination. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? That means that you call yourself a Christian. Ça veut dire que tu t'appelles chrétien. You know some Christian values. Tu connais certaines valeurs chrétiennes. You are a Christian by tradition. Tu es chrétien par tradition. Family is Christian. Ma famille est chrétienne. So I am Christian. Donc je suis chrétien. But you show no real fruit of change in your life. Mais tu ne montres dans ta vie aucun vrai fruit de changement. You've been going to basic fit for 2 years. Ça fait 2 ans que tu vas au basic fit. And you have more friends than muscles. Et tu as plus d'amis au basic fit que tu n'as de muscles. I see them in Overes. Et moi je les vois à Overes. They come from morning till evening. Il y a des gens qui viennent du matin au soir. And I'm thinking, are they working? Do they have a life? What's going on? Et je me dis, est-ce qu'ils travaillent vraiment? Est-ce qu'ils ont une vie en dehors de ça? And I go 3 times a week. Et moi je ne vais que 3 fois par semaine. And they are there every time I'm there. Et ces gens-là sont toujours là. And they do 10 reps. Ils font 10 répétitions. And they are an hour on their cell phone. Et puis après ils passent une heure au téléphone. You know those people? Vous connaissez ces gens? And I'm thinking, what are they working on? Mais qu'est-ce qu'ils travaillent vraiment? Their thumb. Leur téléphone? Or something else. Ou quelque chose d'autre. And I think some people just like to go there just so they can say I've been to the gym. Et je pense qu'il y en a qui vont au basic fit juste pour dire oui j'ai été à la gym. So they feel better when they eat their pizza in the evening. Comme ça lorsqu'ils mangent leur pizza le soir ils se sentent moins coupables. I believe some people just go to church just because they can say I've been to church on Sunday morning. Je pense que certaines personnes viennent à l'église juste pour se dire j'ai été à l'église dimanche matin. So it makes them feel better when they're sitting on Monday morning. Ce qui leur fait se sentir un peu mieux le lundi matin quand ils pêchent. Because I've been to church. Parce que j'ai quand même été à l'église hier. That is being a Christian by denomination. Ça, c'est être un chrétien par dénomination seulement. You come to church. Vous venez à l'église. You might even have a Bible at home. Vous avez même peut-être une Bible à la maison. But there is no sign of the power of the gospel in your life. Mais dans ta vie, se trouve aucun signe de la puissance de l'évangile. Christ has not changed you radically. Jésus ne t'a pas changé radicalement. There is no real sign of a living intimate relationship with Christ. Il n'y a pas de signe de relation intime avec Christ. And you know when somebody goes to the gym and they mean it. Et tu sais quand tu vois quelqu'un à la salle de sport qui va pour de vrai. They got their headphones on. Ils ont leur casque sur la tête. They don't talk too much. Ils ne parlent à personne. And they do what they need to do. Et ils font ce qu'ils ont à faire. And they're sweating after 5 minutes. Et après 5 minutes, ils transpirent déjà. They do it 1 hour. Ils font une heure et demie, puis ils ressortent. Amen. They hit it and they leave it. Ils poussent et puis ils sortent. They go to the gym with purpose. Ils vont à la gym avec un but. We gotta be a purposeful church-going people. On doit être un peuple qui va à l'église avec un but. Showing a real sign of relationship with Christ. Un peuple qui montre des vrais signes de relation avec Jésus. Nominal Christians. Des chrétiens nominatifs. They do not possess a faith that works. Ils ne possèdent pas une foi qui fonctionne. They have no functional faith. Ils n'ont pas de foi fonctionnelle. In everyday life, dans la vie de tous les jours, they don't really know when to pray. Ils ne prient pas vraiment. They don't know how to pray. Ils ne savent pas quand prier, comment prier. They don't know what to pray for. Et ils ne savent pas pourquoi prier. And they don't know when God talks to them. Et ils ne savent pas reconnaître la voix de Dieu. They have no real knowledge.
knowledge of the Bible. Ils n'ont pas vraiment de la connaissance de la Bible. And they have no real interest in reading the Bible. Et ils n'ont pas vraiment d'intérêt à la lecture de la Bible. Yet, they go to church. Cependant, ils vont à l'église. Yet, they call themselves a Christian. Cependant, ils s'appellent chrétiens. And they have a lot of Christian friends. Et ils ont pas mal d'amis chrétiens. But there is no faith that is actually producing. Mais il n'y a pas vraiment de foi qui produit des choses dans leur vie. They work out one muscle. Et parce qu'ils ne travaillent qu'un seul muscle. Going to church. Qui est celui d'aller à l'église. Amen. Mm-hmm. That's one muscle they work out. Ça, c'est le seul muscle qu'ils travaillent. Check, I've been to church. Check, j'étais à l'église. My purpose. Mon but. Everybody listen. Tout le monde est là. My purpose. Mon but. I'm going to explain this to you. My goal, one of my greatest passions. Purposes as your pastor. En tant que votre pasteur, une de mes plus grandes passions, un de mes plus grands buts. And I do have some goals with you. Et bien sûr, j'ai pas mal de buts avec vous. Dis à ton voisin, pasteur a des objectifs pour toi. By the end of September, we gotta lose 10 kilos. D'ici à la fin de septembre, on va perdre 10 kilos. Come on, I got some goals. J'ai des buts. This is my goal. C'est mon but. That we are not a nominal Christian people. Qu'on n'est pas juste des chrétiens qui s'autoproclament chrétiens. But that somehow I inspire you. Mais que d'une manière ou d'une autre, j'arrive à vous inspirer. To use your faith. À utiliser votre foi. That it works for you. Afin qu'elle puisse fonctionner, œuvrer pour vous. That you start learning it's not just coming to church that counts. Que vous commenciez à apprendre que ça compte, ce n'est pas juste venir à l'église qui compte. My purpose is to help you grow. Mon but c'est de vous aider à grandir. From powerless faith. D'avoir une foi qui n'a aucune puissance. To functional faith. À une foi fonctionnelle. To a faith that produces miracles in your life. D'aller vers une foi qui produit des miracles dans votre vie. I need you to get to basic faith. J'ai besoin que vous alliez à basique foi. I need you to get an abonnement. J'ai besoin que vous ayez un membership card. You get a membership card in this place. Que vous ayez un abonnement pour l'église. You engage yourself for 1 year. Vous vous engagez à un an to grow your faith, à faire grandir votre foi to where it starts producing miracles in your life, à un point tel que votre foi produise des miracles dans votre vie to where you start praying and things happen, à un point où vous commencez à prier et les choses se produisent to where you start speaking and the heavens obey, et vous proclamez des choses et les cieux doivent obéir to where young people you literally walk in places. Et vous les jeunes, quand vous entrerez dans des endroits and you become an influencer. Et vous devenez un influenceur. I'm talking to young people. Et les jeunes, je vous parle. The where you become an influencer. C'est vous qui influencez votre environnement. Where you stop going from undergoing the currency of life. Vous arrêtez de vous faire emporter par les flots de la vie. And where it's ups and downs and hot and cold. Avec des hauts, des bas, des chauds et du froid tout le temps. Where you become stable and strong. Mais à un moment, vous arrivez à une stabilité. With a faith that moves mountains. Avec une foi qui déplace les montagnes. C'est ça, basique foi. My purpose, this is my goal as a pastor. Mon but, mon objectif en tant que pasteur. I want you to become a functional Christian. Je veux que vous deveniez des chrétiens fonctionnels. I want you to declare to yourself. Que vous puissiez vous déclarer à vous-même. I can do more with this faith than just calling myself a Christian. Avec ma foi, je peux faire bien plus que simplement m'auto-appeler chrétien. Amen. Amen. I can do more with this than just going. Je veux faire bien plus avec ma foi que d'aller à l'église. I have been given great authority. Parce que le Seigneur m'a donné une grande autorité. I have been given great power. Le Seigneur m'a donné une grande puissance. And I have to learn to exercise. Et je dois apprendre à la mettre en pratique. So leads me to the second choice. Ce qui m'amène à mon deuxième choix. I believe I'm speaking to a church that wants to take the second choice. Et je pense que je parle à une église qui veut faire ce deuxième choix. It is when you come to Christ. C'est lorsque vous venez à Jésus. You call yourself a Christian. Vous vous appelez dès lors chrétien. But you have also decided. Mais vous avez également décidé. I am going full force with this. Je vais aller à fond avec ça. I want to give everything I get out of this life. Je veux tout donner dans cette vie. I want to get everything God has for me. Je veux recevoir tout ce que Jésus a pour moi. Life is short. La vie sur terre est courte. So I want to get everything out of it I can. Donc je veux en retirer tout ce que je peux. I just don't want to grow a bicep. Je ne veux pas juste faire grandir un biceps. But I'm gonna grow a healthy mind. Mais je veux également faire grandir une pensée saine. Je veux faire grandir une bonne colonne vertébrale. Strong legs. Je veux avoir des jambes fortes. I'm gonna grow strong knowledge of the word of God.
Je veux avoir une connaissance puissante de la parole de Dieu. Je vais être un peu obsédé au sujet de l'église de Jésus. Parce qu'il m'a appelé. Et je veux répondre. Je veux que mon cœur soit baptisé de Jésus. Amen. I breathe Christ. Je respire Jésus. I think of Christ. Je pense à Jésus. I see Christ. Je vois Jésus. I see opportunities. Je vois les opportunités. I see possibilities. Je vois les possibilités. I see miracles. Je vois ces miracles. I want to live a life. Je veux vivre une vie that the Bible describes to me. Comme la Bible le décrit. Do you want that? Est-ce que vous voulez ça? If yes, I want to teach you to basic faith. Si oui, laissez-moi vous emmener à basic foi. Why is basic faith so popular? Pourquoi est-ce que basic faith est si populaire? Daisy, why is it so popular? Daisy, pourquoi est-ce que basic faith est si populaire? I'll answer it for you. Je vais te répondre. It's cheap. Parce que c'est bon marché. And it's simple. Et c'est simple. And that's what is the formula that made this thing so popular. Et c'est ce qui a rendu basic faith si populaire. You don't need to do 6 months with a trainer before you can do a machine. Vous n'avez pas besoin de 6 mois d'entraînement avec un coach pour pouvoir aller sur une machine. When you go in, there's not a marketing guy that runs after you and that tries to get you subscribed for 2 years. Quand vous entrez au basic faith, il n'y a pas quelqu'un qui te court après pour te faire signer un abonnement de 2 ans ou quelque chose comme ça. I went in. Je suis entré. And before going through those doors. Et avant de passer par ces portes, there's a kiosk. Il y a un kiosque. I can do it online. Et j'ai tout pu faire tout seul. Nobody can see me. Sur la machine, et j'ai fait ce que j'avais à faire. 1999, I got my card. Et pour 19,99€, j'ai eu ma carte. I can go in and nobody knows me. Je peux entrer au Basic Fit et personne ne me connaît. I can take a machine and start working out. Et je vais sur les machines et je bosse. Why is this so effective? Pourquoi est-ce que c'est si efficace? It has made fitness simple. Ça a rendu le fitness simple. No programs, no strategies. Pas de programme, pas de stratégie. No extra payments. Pas de paiement supplémentaire. Just come and work out. Viens et travaille. And you'll start seeing the change. Et tu verras les résultats. And we'll make it cheap. Et on va rendre ça bon marché. We have rendered faith complicated. On a rendu la foi si compliquée. We have rendered faith with hundreds of question marks. On a rendu la foi remplie de pièces de points d'interrogation. What do I need to do? How do I need to do it? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Quand? What do I need to say? Qu'est-ce que je dois dire à Dieu? How do I need to say? Comment est-ce que je dois parler? If I pray, what do I do? How do I do? Si je prie, comment je fais? Pourquoi? Why am I struggling? Pourquoi est-ce que je lutte? Is it normal that I'm tempted? Est-ce que c'est normal que je subisse la tentation? On essaie tellement de compliquer la foi. But this morning I want to take you to basic faith. Mais ce matin, je veux vous emmener à basic foi. And it is wrapped up in one sentence. Qui est seulement résumé en une phrase. Have faith in God. Et foi en Jésus. Work out your faith every single day. Exerce ta foi tous les jours. In the beginning, I did not know what I was doing. Au début, je savais pas ce que je faisais. I still don't know what I'm doing. Je sais toujours pas ce que je fais. I was looking at guys how they were doing it. Je regardais les autres gars comment ils le faisaient. And then when they left the machine, I went there and Et quand ils laissaient la machine, j'essayais de recopier ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'est comme ça? It's supposed to burn my chest, but it's burning my shoulders. C'est censé faire brûler mon torse, mais ça fait mal à mes épaules. But at least I was doing something. Mais au moins j'essayais de faire quelque chose. I was getting this body activated. J'activais mon corps. You don't need to have the answer to all questions. Vous ne devez pas avoir les réponses à toutes les questions immédiatement. You don't need to live the righteous perfect life. Vous ne devez pas vivre la vie juste parfaitement. In order to be used of God. Avant que Dieu vous utilise. You gotta step out in faith. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est sortir par la foi. Et commencer à croire en Jésus. Just go for it. Et y aller. Just pray for the person. Et prie pour quelqu'un. Just speak that word. Proclame ta parole. Just tell your colleague. Dis à ton collègue. Lift your hands. Lève ta main. I want to pray for you. Je veux prier pour toi. Just do it. Fais-le simplement. And God will reward your faith. Et Jésus récompensera ta foi. That's faith that will produce miracles. Ça, c'est la foi qui produira des miracles. Amen. Amen. It's not faith and logic. C'est pas la foi et la logique. It's not a lot of faith and a little bit of logic. C'est pas beaucoup de foi et un peu de logique. It's a lot of faith. Mais c'est beaucoup de foi. And that's it. Et c'est tout. In God. En Dieu. That produces miracles. Et c'est ce qui produira les miracles. And that's the second group of people. Et ça, c'est le deuxième groupe de gens. If the book tells me I have power. Si ce livre me dit que j'ai la puissance. I want to see that power. Je veux voir cette puissance en action. Amen. N'est-ce pas? Don't you?
Ne voulez-vous pas la voir? If the book tells me that I can pray for the sick and they shall recover. Si la parole de Dieu me dit que je prie pour les malades et ils seront guéris. Guess what I'm gonna do? Devinez ce que je vais faire. I'm gonna pray for the sick. Je vais prier pour les malades. And I'm gonna see them get recovered. Et je les verrai guéris. I don't ask questions about it. Je ne me pose pas de questions. What if they stay sick? Et si jamais ils restent malades? At least I prayed. Au moins moi j'ai prié. At least I have put my faith in God. Au moins j'ai mis ma foi en Dieu. What if? Et si? Est-ce que tu vas à la salle de sport te demandant what if my muscles don't grow? Et si mon muscle ne grandit pas? What if my stomach doesn't get fat? Et si mon ventre ne s'appétit pas? I better not do the fitness yet. Bah alors, je vaut mieux pas que j'aille à la gym. Is that your mentality? C'est votre mentalité quand vous allez à la salle de sport? No. If it does not work, you work out harder. Si ça ne fonctionne pas, vous travaillez encore plus dur. You get knowledge. You instruct yourself on how to do it. Vous vous instruisez à comment faire cet exercice encore mieux. I'm here to instruct you. Me voici, je veux vous instruire. To get you across that line where you're fearful of stepping out in faith. Je veux que vous dépassiez cette ligne de crainte. To where you can go out in the streets. À un point tel où vous pouvez sortir sur la in rue. Your families, dans vos familles. Where you can stand up. Et vous pouvez vous mettre debout. And declare the word of the Lord in your family. Et déclarer la parole de Dieu dans vos familles. Where you can go to the job. Et vous pouvez aller sur votre lieu de travail. Et que votre collègue souffre du cancer. Ou que son mari est déprimé. Au lieu d'être derrière votre ordinateur. Je te comprends. I know it's hard. Tu dis, je connais un Dieu. You can say, I know a God. Qui m'a fait sortir de la dépression. That took me out of depression. Et je crois qu'il peut le faire pour ton and mari. And I believe he can do it for your husband. Je vais prier pour lui maintenant. So I'm going to pray for your husband right now. C'est quoi son nom? What's his name? Roger. Roger. Jésus, je prie pour Roger. Jesus, I'm praying for Roger. Tu enlèves de sa dépression. As you take him out from depression right now. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Tu veux boire un café? Joseph Coffee, let's go. That's how you do it. C'est comme ça que vous faites. Don't complicate it. Ne compliquez rien. Just use what God has given you. Utilisez le don de Dieu. Speak it. Proclamez. You can do it. Vous pouvez le faire. Come on. Allez. You can do it. Vous pouvez le faire. You can have miracles. You can have more miracles than you can believe. But we ask so much. Give me, give me, give me. On demande tellement à Dieu. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. That's the last time you spread it out. Mais quand était-ce la dernière fois que vous avez it's répandu? It's church if we want to grow. En tant qu'église, si on veut grandir. Si on veut grandir. If you want to grow. Si on veut grandir. We have to start doing this. On doit commencer à faire cela. Those seats will not fill up by themselves. Ces chaises ne vont pas se remplir toutes seules. And prayer won't be the only way to do it. La prière ne sera pas la seule cible. We have to be people of faith. On doit également être des gens de foi. Praying for each other. Un peuple de foi qui prie les uns pour les autres. Chaque réunion. Laying hands on people. S'imposant les mains les uns aux autres. Proclamant la parole de foi. Prophesying. Prophétisant. Non, seulement le pasteur peut prophétiser. When I am behind the pulpit. Quand je suis derrière le pupitre. And I am the spiritual authority in this church. Et que je suis l'autorité spirituelle dans l'église. And you feel to prophesy for somebody. Et que vous sentez de prophétiser pour quelqu'un. Prophesy. Prophétisez-le. Speak it over somebody. Proclamez quelque chose dans la vie de quelqu'un. If it's done disorderly, I will stop you. Don't worry about that. Si c'est fait avec désordre, je vais vous arrêter. Bien sûr, we ne vous inquiétez pas. On doit tous grandir, tous apprendre. If the word was good, praise God. Si la parole était bonne, gloire à Dieu. If it was a miss, praise God. Si c'était quelque chose de raté, gloire à Dieu. No offense. Pas d'offense. Your neighbor should not walk out and run out of the church. Ne vous enfuyez pas de l'église. Amen. We try to be used in the spirit. Mais essayons d'être sensibles et utiliser l'esprit. I have prophesied or I have said, the Lord says. J'ai déjà dit, le Seigneur dit. And I've missed it sometimes. Et parfois j'ai raté. Not 100%, but some things, some words, some thoughts that I missed. Pas raté à 100%, mais quelques pensées ou mots que j'ai ratés. We gotta grow this faith. We gotta grow. We gotta learn to operate in the flow. Parce qu'on doit apprendre à opérer dans le flux de l'esprit. Does this make sense? Est-ce que ça a du sens pour vous? Or are you happy by just sitting on a seat every Sunday? Ou êtes-vous juste heureux d'être assis sur votre chaise chaque dimanche? Are you or not? Êtes-vous heureux d'être simplement là? Parce que moi, je peux pas. Honestly, I don't know how you do it. Je sais pas comment vous faites. I can stay seated for that long as you do. Je peux pas rester assis aussi longtemps que vous. Let's get to action, pastor. Je veux aller qu'on passe à l'action, pasteur. Pastor, when's the last time we did an outreach? Pasteur, c'est quand la dernière fois qu'on a fait l'évangélisation? I want to get busy, do something with my faith. Je veux faire des choses avec ma foi. Last outreach was 2 weeks.
weeks ago. La dernière évangélisation, c'est il y a 2 semaines. A great way for you to work out your faith. C'est une super manière pour vous de mettre votre foi en pratique. Pray for the homeless. Avant de prier pour les sans-abri. Kneel down with somebody that has nothing in their life. Vous agenouillez avec quelqu'un qui n'a rien dans la vie. And tell them, can I pray with you? Et dire à cette personne, est-ce que je peux prier avec toi? And see tears coming through their eyes. Et tu vois les larmes qui coulent de leurs yeux. I promise you, that's better than sitting at a chair. Je vous promets que ça vaut bien plus qu'être assis à l'église. And listening to me preaching at you. Et à m'écouter vous prêcher. À la clé, we need both. À la clé, on a besoin des deux. You can't miss a Sunday, brother. Tu ne peux pas rater un dimanche, mon frère. Come knock at your door. Sinon, je vais venir toquer à ta porte. But when Sunday is over, mais quand dimanche est fini, my faith has got to get out into the streets and into my life. Ma foi doit être en application dans ma vie. I got to apply it in my family. Elle doit être appliquée dans ma famille. Amen. Hello? J'ai l'impression que ça passe au-dessus des têtes de certaines personnes. Donc laissez-moi vous donner un exemple pratique. Amen. It's a practical example. Don't be angry at me. Ne sois pas fâché contre moi, s'il te plaît, soyez là. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. I won't ask you permission. Je vais pas demander la permission. Amen. The Lord, I told you, the Lord has been speaking to me about order. Et je vous l'ai dit, le Seigneur m'a parlé récemment au sujet de remettre de l'ordre dans sa vie. Et qu'on doit remettre de l'ordre dans nos vies personnelles et de l'ordre dans l'église. Quand était la dernière fois que le Seigneur vous a parlé directement, personnellement? Not in church. Pas à l'église. Not through YouTube. Pas au travers de YouTube. Not through TD Jakes. Pas au travers de TD Jakes. Not to apostle. Pas au travers de l'apôtre, je ne sais quoi. To you. Mais directement à vous. Him speaking. Jésus qui vous parle à vous. C'était quand la dernière fois? Ça devrait se passer tous les jours. Imaginez un père qui ne veut simplement parler à son fils au travers de son tonton. Tonton, tu peux pas dire à mon fils que je l'aime? Uncle, go and tell my son that I love him. Imagine a father not wanting to speak to his son for a week. Imaginez un père qui ne veut pas s'adresser à son fils pendant une semaine. Imagine God wants to speak to every single day. Non, il veut parler tous les jours. Vous savez? God wants to speak to you every single day. Jésus veut vous parler tous les jours. We just gotta listen. On doit simplement l'écouter. The faith that we have, it has to become functional. It has to start working. It has to start doing something. La foi qu'on a doit devenir fonctionnelle, doit travailler, doit faire quelque chose. It's not something nice we have. I have faith. C'est pas juste quelque chose de beau qu'on a, j'ai la foi. Amen, merci Jésus, j'ai la foi. Ah, merci, thank you Lord. No, our faith has to produce something. Non, notre foi doit produire quelque chose. A voice. Une voix. A door that opens. Une porte qui s'ouvre. A miracle that happens. Un miracle qui se produit. Something that changes. Quelque chose qui change. And so we were going through a moment that was difficult. Donc on passait par un moment qui était difficile. You know, when you have a family, you have 2 full-time jobs, and you pass through church, life sometimes can get hard. Quand vous avez une famille, une église à gérer, 2 enfants et 2 jobs à plein temps, la vie peut devenir difficile. Right? N'est-ce pas? We have a lot of burdens we carry. Parce qu'on est chargé de beaucoup de fardeaux. And God is telling us, keep the order, keep the order. Et le Seigneur nous disait, gardez l'ordre, gardez l'ordre. So I took my wife in the kitchen. Donc j'ai emmené ma femme dans la cuisine. Functional faith. La foi fonctionnelle, n'est-ce right? pas? Not just saying, oh God, change it. Et pas juste, oh Seigneur, change la situation. Functional faith, faith that works. Non, foi fonctionnelle. Right, you remember that? Tu te rappelles? Of course you do. Bien sûr. I took her in the kitchen. Je l'ai emmené à la cuisine. And we started to pray together. On a commencé à prier ensemble. I said, you know what? We can reason about it. We can talk about it. We can strategize all of that. But let's just ask the Lord to help us. J'ai dit, on peut raisonner tant qu'on veut, on peut créer des stratégies tant qu'on veut, mais il faut qu'on demande au Seigneur là maintenant. We began to pray. On a commencé à prier. Together, husband and wife. Mari et femme. Magnifique. As we began to pray, et alors qu'on priait, the Spirit of God came in our kitchen. L'Esprit de Dieu a envahi notre cuisine. The Spirit of God moves in my kitchen. L'Esprit de Dieu a agi dans ma cuisine. It moves in my kitchen. Il agit même dans ma cuisine. Where my oven is, and my fridge, là où il y a mon four, là où il y a mon frigo, et mon petit déjeuner, and my breakfast, there the Spirit of God came. Là, le Seigneur est venu. Because out of the faith that that works. Parce que j'ai une foi qui travaille, qui œuvre. A faith that produces miracles. Une foi qui produit les miracles. A faith that would cause me to stay alive in Jesus Christ. Une foi qui va me causer de rester vivant en Jésus Christ. So as we begin to pray in the kitchen. Et alors qu'on prie ensemble à la cuisine, the Spirit of God came. L'Esprit de Dieu est venu. That began to prophesy.
Et j'ai commencé à prophétiser. Et je ne m'attendais pas à ça, j'attendais juste une prière du Seigneur, s'il te plaît, remets-leur dans nos vies. N'est-ce pas? Je peux pas exagérer, donc arrête-moi si j'exagère. J'ai dit, lève tes mains au Seigneur. Et je lui ai imposé les mains. Et je voici par l'Éternel. J'ai commencé à prophétiser sur sa vie. Proclamer des choses qui venaient directement de l'Esprit de Dieu. Et une percée est venue dans l'Esprit. J'ai dit, maintenant impose-moi les mains. Et tu proclames des choses dans ma vie. Et ma femme m'a imposé la main. Et elle a proclamé des choses dans ma vie. Et là, dans notre cuisine à la maison, on a eu une percée spirituelle. Vous voulez garder votre mariage vivant? Vous, les gens qui vont se marier dans le futur, voici une bonne leçon du pasteur. Assurez-vous que l'Esprit de Dieu agisse dans votre maison. Et pas juste à l'église. Prophétisez dans votre couple. Parlez dans le couple. Et assurez-vous d'être guéri. Ne laissez pas à un autre frère le soin de guérir votre femme. Ne laissez pas le soin à une autre sœur de guérir votre mari. C'est comme ça que ça marche. She won't listen to me. Oh, elle ne va pas m'écouter. Le diable va amener une autre sœur qui va bien t'écouter. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais le diable est un menteur. Hey man, you gotta work together as a team. Il faut travailler ensemble en tant qu'équipe. Have faith that works things for you. Avoir une foi qui travaille, qui met les choses en œuvre. If the Bible tells me I have authority to speak to mountains, si la Bible me dit que j'ai l'autorité de parler aux montagnes, and they will be moved, et qu'elles seront déplacées, what are we gonna do? Qu'est-ce que je vais faire? Sarah, what are we gonna do? Sarah, qu'est-ce que je vais faire? We're gonna speak to the mountain. On va s'adresser aux montagnes. And guess what's gonna happen? Et voici ce qui va se passer. It's gonna be removed. Ces montagnes seront déplacées. Amen. Amen. Functional faith. La foi fonctionnelle. Je déclare dans l'esprit. Je prophétise sur vous. Qu'on puisse arrêter de compliquer la foi. Et je vous donne la mission au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, commencez à opérer à basique foi. Une foi qui est crue. Une foi qui lui fera des erreurs. Une foi qui est audacieuse. Une foi qui verra des miracles dans votre vie. Alléluia. Amen. James 2:14, I'm almost finished. J'ai presque fini, on va tourner dans Jacques 2:14. If you want to have faith that has substance, si vous voulez avoir une foi qui a de la substance, you must start exercising it. Vous devez commencer à l'exercer. Amen. Amen. James 2:14 says, what does it profit, my brothers, if a man says that he has faith, but he has no works? Can faith save him? Jacques, chapitre 2, verset 14, on dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? J'ai la foi. Bravo. Mais où sont les œuvres qui montrent ta foi? Yeah, I got faith. Well, congratulations, but where are the works that show your faith? Verse 15 says, if a brother or sister be naked, has no clothes, she has no food, and one of you says, be in peace, I'm praying for you, be you warmed and filled, notwithstanding you give them not these things which are needful to the body, what is the profit? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Even so, faith, if it hath not works, it's dead being alone. La foi sans les œuvres. Faith without works. Pour le Seigneur est un fruit qui est desséché et mort. It is like a dead fruit to the eyes of the Lord. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une pomme pourrie. I don't know if you ever seen a rotten apple. Ça n'invite pas à le manger. You just don't want to eat it. Ça n'a pas de vie. You don't. It just doesn't show any ça life. Ça montre des signes de mort. It shows signs of death. La foi est un fruit.
Faith is like a fruit. Sans les œuvres. Without works. Desséché. The fruit will get dry. Le fruit va devenir quelque chose immobile. The fruit will not move anymore. Et va servir à rien. And will be useless. Mais si vous avez des œuvres. But if you have works. Qui accompagnent votre foi. That go along with your faith. J'ai la foi. I have faith. Et je vais à l'église. But I go to church. Je vais à l'église. I go to church. Mais je prie à la maison. But I pray home. Je prie à la maison. I pray home. Mais je loue le Seigneur dans le métro. But I praise the Lord in the metro. Je loue le Seigneur dans le métro. I praise God in the metro. Je prie pour les gens dans la rue. And I pray for people on the street. Je prie pour les gens dans la rue. I pray for people on the street. Mais je parle de Dieu à mon travail. But I speak about God in my workplace. Je parle de Dieu à mon travail. I speak about God in my workplace. And when a crisis comes to my life, I do not start complaining. Je commence pas à parler avec mes collègues. I don't start talking to my colleagues. Je lève ma tête vers le Seigneur. But I raise my head to the Lord. Seigneur, I say, Lord, move. Seigneur, Lord, move. Tu es la seule chose que j'ai dans ma vie. You are the only thing I have in my life. We are like Sister Menassi. I don't have resource A, B, or C. I don't have a lot. Mais j'ai Jésus. But I do have Jesus. Et je dois lui mettre au travail. And I'll put him to work. Travail, Seigneur. Lord, work for ouvre me. Ouvre le chemin. Open the way for me. Je parle de maladie. I speak against the sickness. J'ai perdu mon travail. I've lost my job. Je ne vais pas pleurer dans mon fauteuil. I'm not going to cry on my couch. Je vais aller à l'église. I will go to church. Je vais donner ma job. I will give my tithe. Mais c'est pas de l'argent. I don't have money. J'ai la foi. But I have faith. Et les œuvres. And works. Voici 10 euros. Here are 10 euros. And Jesus is going to make it 10,000 because he's faithful. I'm not speaking about God as a wizard. But I'm speaking about a God who wants us to work on our faith. A simple faith. A faith like one of a child. And that will change your life. Et c'est ce qui va changer notre vie. You know, I read the verse in Matthew 8. Vous savez, j'ai lu ce verset dans Matthieu 8. And Jesus meets that leopard. Et Jésus rencontre ce lépreux. And he tells the leopard, be clean. Et il dit à ce lépreux, sois pur. You remember that? Rappelez le verset d'ouverture. Do you know what happened before that? Vous savez ce qui s'est passé avant la purification du lépreux? In Matthew chapter 5, 6 and 7. Dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. You know what happened? Vous savez ce qui se passait? Jesus was teaching. Jésus enseignait. In Matthew chapter 5, he was teaching on the Beatitudes. Chapitre 5, il enseignait les Béatitudes. Would you stand with me? I'm finished. Mettons-nous tous debout ensemble alors que je conclue. He was teaching on the Beatitudes. Il enseignait les Béatitudes. He said that we were salt and light. Il a déclaré que nous étions le sel et la lumière. He spoke about anger. Il a parlé de la colère. Lust. De la convoitise. Divorce. Du divorce. He said, love your enemies. Il a dit, aimez vos ennemis. He was talking about heart issues. Il parlait des problèmes de cœur. Because before we can be used in great faith, parce qu'avant d'être utilisé dans la grande foi, our hearts need to be filled with faith. Nos cœurs doivent être remplis de foi. Amen. And emptied of carnal things. Mais vidés des choses charnelles. Amen. In chapter 6. Chapitre 6. Jesus continues. Jésus continuait. Teaching on the mountain. Il enseignait sur la montagne. He says, give to those that are in need. Donnez à ceux qui sont dans le besoin. He taught the Lord's prayer. Il a enseigné la prière du Seigneur. He spoke about fasting. Il a parlé du jeûne. He spoke about fear. Il a parlé de la crainte. Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7. He speak about judging others. Il a parlé du fait de juger les autres. He speak about prayer. Il a parlé de la prière. And about building your house on a sure foundation. Et de construire votre maison sur une fondation solide. And after those three chapters, et après ces trois chapitres, the Bible says that Jesus taught as one who had authority. La Bible dit que Jésus enseignait en tant que quelqu'un qui avait l'autorité. Si on peut diminuer l'éclairage pour quelques instants. But after that, Jesus addressed the issues of the heart. Mais après que Jésus ait adressé les problèmes de cœur, he wanted to show his people, il voulait montrer à son peuple, it's more than just knowledge. C'est bien plus que de la simple connaissance. Faith is not just intellect. La foi ne relève pas simplement de l'intellect.
And I'm looking at some very intelligent people here today. Et ce matin, je regarde des gens très intelligents. This church is blessed with smart people. Et cette église est bénie de gens très intelligents. And I'm trying not to look at anybody. Et j'essaie de ne regarder personne. But you know if you're smart. Mais vous savez ce matin si vous êtes intelligent. But your intellect is not helping you produce faith. Mais ce n'est pas votre intelligence qui va vous aider à produire de la foi. It does not. Ce n'est pas ça. Many times it's a hindrance for you to be used in faith. Et très souvent, votre intelligence sera un obstacle à être utilisé dans la foi. After Jesus taught his people, après que Jésus ait enseigné à son peuple, a man comes in. Un homme s'approche. And he's filled with leprosy. Qui est rempli de lèpre. De la lèpre. And he worships him, saying, "Lord, if you will, you can make me clean." Et il adore le Seigneur et lui dit, Seigneur, si c'est ta volonté, tu peux me purifier. Jesus did not say. Et Jésus n'a pas répondu. Let me teach you a Bible study about leprosy. Laisse-moi t'enseigner une étude biblique sur le sujet de la lèpre. He did not say. Il n'a pas dit. Let me pray about it. Laisse-moi prier à ce sujet-là. He did not say. Il n'a pas dit. Oh, please stay away from me. I'm a rabbi. You are unclean. S'il te plaît, reste bien loin de moi. Moi, je suis un enseignant. Tu es impur. Jesus gave words of wisdom. Après avoir enseigné ses paroles de sagesse, he showed the multitude. Jésus a montré à what it is to have faith that works. Ce que c'était d'avoir une foi effective. To have basic faith. D'avoir une basique foi. I gave you the wisdom of heaven. Je t'ai donné la sagesse des cieux. Now let me show you the power of heaven. Maintenant laisse-moi te montrer la puissance. Now let me demonstrate you the glory of the kingdom. Maintenant laisse-moi te montrer la gloire du royaume. And he didn't speak with the man. Il n'a pas parlé avec cet homme. L'homme a dit, est-ce que tu veux me purifier? And Jesus tells him, Jésus lui dit, I will. Je vais le faire. Amen. It's that simple. C'est aussi simple que ça. Jesus, do you want to help me? Jésus, est-ce que tu veux m'aider? Yes. Oui. I want to help. Je veux t'aider. Jesus, do you want to heal my back? Jésus, est-ce que tu veux guérir mon dos? Yes, I want to heal your back. Oui, je veux guérir ton dos. Jesus, do you want to forgive me? Jésus, est-ce que tu veux me pardonner? Of course. Bien sûr. Be forgiven. Sois pardonné. And here is where we have complicated the matter. Mais voici là où on a compliqué cette chose. We have started to question the will of Jesus. On a commencé à questionner la volonté de Dieu. Does he really want to forgive me? Est-ce que Jésus veut vraiment, vraiment me pardonner? Does he really want to heal me? Est-ce qu'il veut vraiment me guérir? Does he really want to bless me? Est-ce qu'il veut vraiment me bénir? And so basic faith. Et donc, basique foi becomes complicated faith. Devient foi compliquée. Because now it's not about the miracle anymore. Parce que maintenant, ce n'est plus au sujet du miracle. Now I'm wrestling with the will of God. Maintenant, je lutte avec la volonté de Dieu. And I'm not even, he's not even wrestling with me because the will of God is for us to be healed. Alors qu'il ne lutte même pas avec moi parce que la volonté de Dieu est que l'on soit guéri, point final. That's why he died on the cross. Et c'est pourquoi il est mort sur la croix pour nous. The will of God that you are forgiven. C'est la volonté de Dieu que vous soyez pardonné. Whether you sinned this morning or last week. Que vous ayez péché ce matin même ou la semaine dernière. As forgiveness, you will receive it. Demandez le pardon et il vous sera accordé. No questions asked by Jesus. Aucune question posée par Jésus. He gives it freely. Il le donne avec. And he'll tell you, go and sin no more. Et il le donne gratuitement et vous dira, va et ne pêche plus. He'll empower you to live a holy life. Et il vous donnera la puissance de vivre une vie sainte. Let us not complicate Jesus Christ. Arrêtons de compliquer Jésus Christ. Say it. Dites-le. Speak it. Proclamez-le. Declare it. Déclarez-le. Believe it. Croyez-le. And then leave it. Et ensuite, laissez-le. And see it happen in front of your eyes. Et voyez-le se passer au devant de vos yeux. Amen. Amen. The man gets healed. L'homme est guéri. And you know what Jesus does? Vous savez ce que Jésus a fait? Anaclis, s'il te plaît, approche-toi. This is so beautiful. C'est très beau. You are finished. You stand right here. Have you noticed in the story how Jesus heals the man? Avez-vous remarqué dans l'histoire comment Jésus a guéri cet homme? You still with me, church? Vous êtes encore avec moi, église? Jesus breaks every social barrier. Jésus a brisé chaque barrière sociale. Did you do that? Est-ce que vous l'avez vu? He breaks every social barrier. Il a brisé toutes les barrières sociales. Do you know Martha was in the kitchen? Vous savez que Marthe était dans la cuisine? Do you know why? Vous savez pourquoi? Because women were not allowed in the living room with men. Parce que les femmes n'étaient pas permises d'être dans le salon avec les hommes. And we think, oh, Martha was busy cooking. No. Et on pensait, oh, Martha était juste en train de cuisiner. She wanted to respect the Jewish culture. Non, non, elle voulait simplement respecter la culture juive.
But Mary couldn't care less about the Jewish culture. Mais Marie s'en foutait complètement de la culture juive. I'll sit in the living room with the man and I'll sit at his feet and I'll worship him. Non seulement je vais m'asseoir dans le salon avec les hommes, mais moi je vais m'agenouiller aux pieds de Jésus et je vais l'adorer. And Jesus should have said, "This is not good. This is not proper." Et Jésus aurait dû dire, ah non non, ça c'est pas bien. But he allowed it because he breaks every social. Mais il a permis cela à Marie parce qu'il est venu casser toutes les barrières sociales. Et vous savez quelle autre barrière il a cassé? Be clean. Sois purifié. He touched the leper. Il a touché l'impur, le lépreux. He could have just said, be clean. Il aurait pu simplement dire, ouais, sois purifié. But your condition, mais ta condition is so bad, est tellement horrible that it draws me closer to you. Que ça me rapproche de toi. Be healed. Sois donc guéri. I'll touch your body filled with leprosy. Je vais toucher ton corps rempli de la lèpre. Because I am master over it. Parce que je suis maître sur cette maladie. Out of my pores, de mes pores flows healing. Coule la guérison. And every spot my hand touches, et chaque tache que ma main touchera will disappear immediately. Disparaîtra immédiatement. Have faith in God. Ayez la foi en Jésus. Because he wants to heal you. Parce qu'il veut vous guérir. He wants to move with you. Il veut agir avec he vous. He wants you to start exercising basic faith. Il veut que vous commenciez à exercer basique foi. Uncomplicated, childlike faith. Une foi comme celle d'un enfant, pas complexe. That is bold as a lion. Qui est audacieuse comme un lion. Why is your pastor bold? Pourquoi est-ce que votre pasteur est si audacieux? Because I made up my mind. Parce que j'ai décidé. I believe in the word of God. Je crois à la parole de Dieu. And what it says, et ce qu'elle dit. I believe it's for me. Je crois qu'elle est pour moi. And I'm going to speak over you. Et je vais proclamer pour vous. And if you're sick right now, si aujourd'hui vous êtes en maladie, I declare you to be healed in Jesus' name. Je déclare votre guérison au nom de Jésus. And if you're depressed right now, I rebuke the depression in Jesus' name. Je chasse la dépression au nom de Jésus. I'm tired of hoping and wishing. J'en ai marre d'espérer. Mais je veux avoir une foi qui fonctionne. Close your eyes for a moment. Fermons les yeux ensemble. Close your eyes. You in just a moment. Vous dans quelques instants. Are going to pray with people. Vous allez vous mettre à prier pour des gens. I am going to give you a machine. Je vais vous donner une machine. And you are going to start doing some reps. Et vous allez commencer à faire des répétitions. I am not going to pray for you. Moi, je ne vais pas prier pour vous. You are going to exercise faith. Mais vous allez mettre votre foi en pratique. And praying for somebody else. Et vous allez commencer à prier pour quelqu'un d'autre. Those that are sick are going to lift their hands. Et dans quelques instants, ceux qui sont malades aujourd'hui vont lever leurs mains. Those that need a miracle are going to lift their hands. Ceux qui ont besoin d'un miracle vont lever leurs mains. And you're going to go to that person. Et vous allez vous retrouver avec ces gens. And you're going to start operating. Et vous allez opérer dans la foi. And I want you, et je veux que if vous, you've never prophesied in your life, si vous n'avez jamais prophétisé dans votre vie, I want you to let the word of God come into your spirit. Je veux que vous permettiez à la parole de Dieu de I want you to start speaking it. Et que vous proclamiez la parole de Dieu. I said, this is what the Lord wants you to do. Voici ce que le Seigneur veut que tu fasses. This is what I feel in my heart. Voici ce que j'ai sur le cœur pour and toi. You speak it over the person. Et vous proclamez cette chose pour la personne. We need faith that works. On a besoin d'une foi active. Our faith is no good if it's in a last little box. Notre foi ne sert à rien si elle est simplement dans une petite boîte. So what do I do, Pastor? Before we do this, what do I do? Here we go. Donc, qu'est-ce que je fais, Pasteur? Number one. Numéro un. You communicate with the person. Tu communiques avec la personne qui aura levé sa main. What do you need? De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Because you need to know what you're praying for. Parce que tu as besoin de savoir pourquoi tu pries. Number two. Numéro deux. You speak to the need. Tu t'adresses directement à ce besoin. You do not ask God. Tu ne supplies pas Dieu. What? Quoi? No, you're an ambassador. Non, tu es un ambassadeur de you Christ. Speak in his place. Tu proclames à la place de Jésus. You speak to the need. Tu t'adresses directement au besoin. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Amen. Number three. Numéro 3. When you pray for someone, quand tu pries pour quelqu'un. And we wrestle with this. Listen. Et je sais qu'on lutte avec this, ça. Écoutez we wrestle with this. On lutte avec ça. Because it's unbelief. Parce que c'est de l'incrédulité. When you pray for someone, quand tu pries pour quelqu'un, keep it short. Garde cela à court. Show me one prayer in the Bible that Jesus prayed for somebody else that was long. Montrez-moi une prière faite par Jésus dans la Bible qui a duré longtemps. He prayed long, nights and nights. Bien sûr, il passait des nuits à prier.
But when he spoke to a devil, mais quand il s'adressait à un démon, come out. Il sort. That's a sign of authority. C'est un signe d'autorité. So you don't need to pray lengthy prayers. Vous n'avez pas besoin de prier hyper longtemps. All that complicates your faith. Tout ça, ça ne fait que compliquer votre foi. You start having faith in your prayers. Parce que vous mettez alors la foi dans vos prières à vous. Have faith in Jesus. Non, mais mettez votre foi en Jésus. Speak the word. Proclamez la parole. That's all you gotta do. C'est ce qu'on doit faire. Number four. Numéro 4. Faith moves mountains. La foi déplace les montagnes. Fear creates them. Mais la crainte crée les montagnes. Fear needs to get out of the heart. La crainte doit quitter le cœur. Before faith can manifest itself. Afin que la foi puisse se manifester. Number five. Numéro 5. Get ready because we're gonna pray together. Préparez-vous déjà parce qu'on va prier ensemble. Number five. Numéro 5. God wants to use you. Dieu veut utiliser toi. Pastor, I'm not perfect. You don't know what I do in my life. Mais pasteur, je suis pas parfait. Tu sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. It's okay. C'est pas grave. God will help you. Dieu va t'aider. But it will never stop. Mais ça n'arrêtera. From using. Mais ça n'arrêtera jamais le Seigneur de t'utiliser. You can do this. Tu peux le faire. Don't complicate it. Arrête de compliquer ça. Just believe. Mais crois simplement. Amen. You're able to. Tu en es capable. If there's pain in the body when you've done praying, you say, do you feel better? Et s'il y avait la douleur dans le corps de la personne, demande à la personne, est-ce que tu te sens mieux? If yes, you show me. If no, you pray again. Si oui, tu me montres que ça va mieux. Sinon, on va prier encore. If it's for a need, si c'est pour un besoin, let us believe God for some testimonies in the next couple of weeks. Prions que le Seigneur amène des témoignages cette semaine qui arrive. Que tous les yeux se ferment et que les têtes se courent. I'm going to address the spirit of fear one more time. Je vais parler à l'esprit de crainte encore une fois. Fear, obey the voice of the Lord. Crainte, obéis maintenant à la voix du Seigneur. You have no position and no place in our heart. Tu n'as aucune place dans notre cœur. I remove you in the name of Jesus. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. And I open up the door to the gift of faith. J'ouvre maintenant la porte au don de la foi. I speak faith in your heart. Je proclame la foi dans vos vies. I speak faith in your spirit. Je proclame la foi dans vos esprits. I command you in the name of Jesus Christ. Je vous commande à tous au nom de Jésus. D'être utilisé par la foi grandement. To be used in the gift of faith. D'être utilisé dans le don de la foi. Not questioning. Sans questionnement. But believing the word of the Lord. Mais en croyant la parole de Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Would you receive that right now? Vous pouvez prier en adorant le Seigneur pour quelques instants. Come on, open your mouth and begin to praise. Ouvre ta bouche et adore le Seigneur. I feel liberty in the Holy Ghost. Je sens la liberté dans l'esprit. That simplicity of faith coming. Je sens cette simplicité dans la foi. That's an environment where miracles happen. Voici l'environnement dans lequel les miracles. That's an environment of feeling conferences. C'est là l'environnement qu'on sent les conférences. Where faith is simple. Où la foi est simple. And the expectation is high. Les attentes sont